50 Filme hat sie bisher gedreht und ihre Darstellung als Edith Piaf in La Vie en Rose hat ihr im 2007 den begehrten Oscar als beste Hauptdarstellerin beschert. Genau, die Rede ist von Marion Cotillard. Die schöne Französin wird heute 36 Jahre alt und zu diesem festlichen Anlass blickt Home Cinema hinter die Kulissen von einigen von ihren Werken. La Vie en Rose erzählt das Leben von der grossartigen Edith Piaf. In Mathilde geht es um die Suche nach der grossen Liebe. Und in Inception werden Geheimnisse aus dem Unterbewusstsein gestohlen und manipuliert. Für ihre Rolle als Edith Piaf hat Marion Cotillard im 2007 einen Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen. Damit ist sie die zweite nach Sophia Loren, die mit einem nicht englischsprachigen Film die Auszeichnung erhalten hat. Es geht ums Leben von der grössten Chanson-Legende Frankreichs, die von ihrer Mutter verloren worden ist und in Armut hat müssen aufwachsen. Wir entführen sie jetzt ans Filmset nach Prag, Paris und Los Angeles. Un jour, Olivier m'a envoyé un texto. J'ai reçu le 22 janvier 2004 à 15h46, où il me disait un grand film d'amour, un romantique, populaire, romanesque, tragique, un grand film international, un grand film français, un film sur Piaf. Je suis rentré en fait dans l'histoire par le biais de photos, d'assez vieilles photos, pas les photos d'Edith Piaf que... En général, on connaît ce qui sont celles où elle est sur scène avec la petite robe et tout ça. On la voyait jeune, aux alentours de 20 ans. Deux, trois photos où elle est enfant même. Il n'avait pas très envie de l'écrire. Et moi, je lui ai dit, mais Olivier, moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard que toi, tu vas poser sur Edith Piaf. C'est pas d'avoir la vie d'Edith Piaf. Ce qui m'intéresse, c'est une vie d'Edith Piaf et c'est la vie que toi, tu veux raconter d'Edith Piaf. Et le connaissant à la fois comme réalisateur et comme ami, je savais que derrière, il y avait une vision. Parce qu'il aime trop la musique, il aime trop l'enfance, il aime trop tout ça pour ne pas avoir quelque chose à dire et un regard à porter sur la vie d'Edith Piaf. Dès le départ, je voulais faire un portrait assez intime. En fait. Pas forcément la grande histoire, pas seulement. Dès le départ de sa toute petite enfance, elle est trimballée à droite à gauche. Elle est bousculée sans arrêt par les adultes, c'est-à-dire que même si c'est pas ultra violent, c'est quand même ça l'est suffisamment en tout cas pour être quand même traumatisant, je pense. C'est-à-dire que sa mère ne l'élève pas, son père pas vraiment non plus, elle est comme ça trimballée de grands-parents en grands-parents, tout le monde se la refile. Donc elle grandit vraiment dans ce truc-là, quoi, qui est forcément déstabilisant pour un enfant. Du ménage a terminé. Cette espèce de solitude ou en tout cas ce sentiment que personne ne l'aime, je pense que c'est quelque chose qui s'inscrit tôt et qui s'inscrit fort chez elle. T'as quel âge? 20 ans. Et ça, c'est quoi? Bon, elle a presque rien vu. Approche. Tu connais du gris? Eh, monsieur Inès! La ferme! Si tu me la chantes, je vous laisse tranquille. Je me mets là-bas, c'est plus mon secteur et ni vu ni connu. Et monsieur, une cigarette, une cibiche, ça n'engage à rien. Et toujours, toujours, quand je chante, cet oiseau-là chante avec moi. Toujours, toujours, encore vivant, sa propre voix tremble pour moi. Si je chante toute seule, ça fait mendigote. À deux, ça fait spectacle. La relation avec Moumoune. Et une relation d'amitié et une amitié de galère. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment galéré toutes les deux ensemble et dès leur âge, enfin, elles avaient pas le même âge, mais un peu plus jeunes, mais elles avaient quelque chose comme 15 ans, je crois, quelque chose comme ça, 14-15 ans. Et c'est Piaf qui, dans un premier temps, l'embarque loin de chez ses parents, à un moment, pour faire une espèce d'assistante de rue. Casser la voix comme ça. Bah, faut bien manger, monsieur. Eh oui, certainement. Tiens. Je m'appelle Louis Leplay, tu viens demain à 2h. On va voir ce qu'on peut faire de toi au Gernis. J'y viens pas. Petite fille, c'est comme tu veux. À ce moment-là, elle rencontre Louis Leplay qui va la découvrir.
Ça commence à... Voilà, du drame, elle passe à un truc un peu... Même complètement. Enfin, c'est la révélation de la Mompia à ce moment-là, donc c'est énorme. Raymond, tu as bien il appelle Raymond, s'il te plaît. J'ai quelqu'un pour toi, la Mompia. Il y a quelqu'un pour toi, la Mompia. Edith, je voulais te présenter Raymond Asseau. Voilà, écrivain, chansonnier, poète. Sa vie est un roman, indépendamment même de son talent de chanteuse. Tout ce qu'elle a traversé dans sa vie constitue déjà en soi une histoire. Elle est le prototype pour moi de l'artiste, quoi, c'est-à-dire qui mélange systématiquement et sans arrêt son art et sa vie. C'est l'immensité de cette petite bonne femme. Le rayonnement, l'aura, comme on dit. Systématiquement, elle nourrit la chanson de ses expériences et elle provoque dans la vie des expériences pour pouvoir nourrir ses chansons. C'est comme une gamine à qui on donne le pouvoir de à un moment donné, en tout cas dans sa carrière. Elle a les pleins pouvoirs, puis elle fait le reste effectivement comme une gamine, elle s'amuse, elle déconne beaucoup, elle adorait s'amuser et pas se prendre au sérieux. Edith Piaf est le phénomène typique du paradoxe de l'artiste. C'est-à-dire que plus on est dans la lumière et plus dans sa vie privée on sombre dans l'obscurité. Bah, c'est pour ça qu'Olivier Dahan fait un film. Quoi ? Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Faut que tu sois courageuse, Edith. C'est Marcel ? Quoi ? L'avion s'est écrasé. La mort de Marcel Cerdan, ça a brisé sa vie. Et à partir de ce moment-là, ça correspond à New York, en 1947, quand elle part là-bas et qu'elle fait une grande carrière, et ça correspond. Mais de toute façon, sa vie, elle est que comme ça. Elle est pavée d'immenses bonheurs, balayée par des tragédies, tout le temps. Heureusement qu'elle était bien entourée par un homme comme Loulou Barrier, par exemple, qui gérait tout, parce qu'elle avait... C'est resté une enfant presque tout le temps. Bah c'est clair que Piaf s'attachait pas à grand-chose d'autre que les relations amoureuses, amicales, et puis voilà, quoi. C'est-à-dire que pour ce qui est du matériel, c'est sûr que ça soit l'argent. Elle est toujours restée sur ce rapport à l'argent, qui était, on chante une chanson, on obtient de l'argent. Comme dans la rue, elle a fait plus tard la même chose sur scène, même quand elle était très connue partout dans le monde. Je pense que la grande force d'Edith Piaf, c'est de s'être entourée de gens des meilleurs, des gens les plus remarquables, quels qu'ils soient, ses compositeurs, ses musiciens et son manager. Voilà, c'était un très grand impresario manager. Elle a rencontré des gens dans sa vie qui lui ont apporté la culture, que ce soit Jacques Bourgeat, que ce soit Cocteau, que ce soit... Il y a plein de gens dans sa vie qui... Et puis elle avait envie d'être instruite. La première idée d'Olivier Dahan, c'était Marion Cotillard. Et quand Olivier m'en a parlé, je savais qu'en soi, c'était une bonne idée, parce que Marion est une actrice talentueuse, mais je savais aussi que compte tenu de l'importance du budget et du fait qu'elle n'avait pas encore une notoriété très forte établie à l'international, que ça allait, moi, me créer des difficultés supplémentaires pour financer le film. Pour moi, c'était évident que c'était Marion. Mais je sais pas pourquoi c'était pas évident pour les autres, en fait. Il m'a toujours dit, moi, je veux pas voir que Edith Piaf. Enfin, je veux pas voir une imitation d'Edith Piaf. Ce que j'avais absolument pas envie de faire. Et tout le travail qui a été fait autour du film, enfin, pour moi, a pas du tout été dans ce sens-là. Sauf que t'as toujours envie
ni lui ressembler. Les chansons de Piaf, quand on les étudie de près, elles paraissent simples, elles ne le sont certainement pas. Et donc la manière de poser ses... le rythme et tout ça, de poser ses phrases, poser ses souffles, tout ça, c'est très particulier. Donc Marion, là, pour le coup, là, c'était effectivement un vrai travail technique. Marion chante bien, donc je pense que je vais garder, ce qui n'était pas forcément prévu d'ailleurs, je pense que je vais garder la voix de Marion pour un ou deux passages, mais je voulais avoir la voix de Piaf. De toute façon, ça faisait partie du truc de départ, quoi, d'avoir Piaf, Edith Piaf dans le film. Derrière notre convoi, jamais l'on...